Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle que j'ai reçu des éditions Médicis chez Très Daniel. Il s'agit de l'oracle de la sorcière d'Anne-Sophie Casper. Anne-Sophie Casper qui a déjà fait euh, euh, pas mal de livres aussi que je vous ai déjà présentés. Euh, et les illustrations sont d'Alexandra Alzieu. Voilà. Donc la boîte est très jolie hein, avec euh, bah, cette femme, cette sorcière, entre guillemets. Euh, qui est en train de méditer, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup ce, ces rayons ici. C'est très très joli. Voilà, je vous montre la boîte. Donc il y a 44 cartes. Et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Incarner la sorcière qui est en soi, c'est à mes yeux incarner sa féminité, redécouvrir son pouvoir sacré, danser avec les énergies et pratiquer la magie blanche. Grâce à l'oracle de la sorcière, vous vous reconnectez avec vos belles couleurs personnelles, votre véritable pouvoir, et les différents cycles naturels, menstruels, lunaires, énergétiques, etc., auxquels vous êtes intimement reliés. Je vous souhaite une merveilleuse redécouverte et une lumineuse pratique. Anne-Sophie Casper. Donc dans ce coffret unique, vous découvrirez 44 cartes illustrées et un livret explicatif complet avec sept méthodes de tirage, guidées par les énergies ensorcelantes de la Wicca. Vous explorerez les éléments, les chakras, les fêtes, les sabbats, les célébrations, les potions magiques, les rituels, les sortilèges et la lithothérapie. A l'aide de l'oracle de la sorcière, vous libérerez pas à pas la sorcière qui sommeille en vous. Il est au prix de 27 euros. Et ici, vous avez quelques exemples d'illustrations qu'il contient. Et une petite photo euh, d'Anne-Sophie Casper. Voilà, voilà. Donc, on va le découvrir ensemble. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Donc, l'intérieur du couvert est comme ceci. On a un très beau euh, et assez épais guidebook, euh, enfin livre même de 230 pages presque. On nous a mis un petit euh, pochon en organza. Euh, pour euh, du coup ranger les cartes et les cartons ici dans un insert en, en carton pour, euh, pour pas qu'elles bouge. Voilà, voilà. Youp, youp, youp. Alors le pochon, je le mets là, les petites cartes ici. Voilà. Alors, euh, on va d'abord regarder ce fameux euh, livre ensemble. Donc, on a ici un petit mot, hein, une petite dédicace qu'elle fait. Une introduction, voilà. Ici, elle parle un petit peu euh, ben de, de la création du jeu, hein, comment ça lui est venu. Alors, ici, elle vous dit que dans le livret pour chaque carte, on va retrouver le nom de la carte, sa thématique principale, si c'est un élément, un cycle lunaire, euh, une saison, une fête, un sabbat, une célébration, une potion magique, rituel et sortilège, chakra et pouvoir. On va trouver également un message de message avec une question ou une problématique inspirante, son énergie complémentaire ou ses outils indispensables et euh, ses pierres de lithothérapie. Alors on a une notion, enfin des notions préalables, un petit mot sur ce qu'est la Wicca, un petit mot sur ce qu'est la lithothérapie, un mode d'emploi, donc une prise en main. Donc elle vous dit votre oracle est comme vous, unique. Une fois que vous l'aurez imprégné de vos énergies personnelles, ne le laissez pas dans les mains d'une autre personne. Prenez le temps de découvrir chaque carte en lisant en conscience son nom et de connecter avec elle. Vous pouvez les placer contre votre cœur en vous laissant bercer par leurs vibrations. Puis, mélangez-les, prenez trois grandes et profondes respirations. Ayez l'intention d'être connecté à l'énergie de la Wicca, à vos êtres chers, à vos guides ou à vos ancêtres de lumière. Selon vos croyances, puis procédez au tirage. Quand vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à purifier votre oracle avec de l'encens de cèdre, de myrrhe ou de sauce blanche et à le réénergiser. Alors, ici, on a les sept méthodes de tirage. On a le tirage du jour, là, c'est tirer euh, une petite carte euh, pour avoir euh, ben, un message euh, du jour, on va dire. Le tirage de la semaine. Un tirage à deux cartes pour commencer une semaine à réaliser le dimanche soir ou lundi matin. La première carte décrira l'ambiance de la semaine. La seconde carte vous informera sur ce que vous devez approfondir, particulièrement cette semaine-là. Le tirage méditatif. Un tirage à une carte à utiliser comme support de méditation. Prenez connaissance du message et méditez dessus silencieusement. Gardez la carte dans vos mains ou à côté de vous à votre convenance. Le tirage du choix a plusieurs cartes en cas d'importantes décisions à prendre. Par exemple, un choix à faire entre deux propositions d'emploi. Pensez aux options de votre choix et tirez une carte pour chacune d'elles. Le tirage de l'iceberg, j'aime bien le nom de ce tirage. Un tirage à deux cartes. La première correspond à la façade que vous donnez, au voile derrière lequel vous vous cachez inconsciemment. C'est la partie cachée de l'iceberg. La seconde carte correspond à ce qui vous aidera à remonter à la surface de l'authenticité. Le tirage des chakras, une carte à, euh, tirage à une carte à ré réaliser. Je vais y arriver exclusivement avec les sept cartes correspondant au chakra Une fois tiré placez la carte sur vous ou sur la zone de votre corps associée au chakra. Votre organisme absorbera son énergie et accompagnera le rééquilibrage énergétique. Et en septième, le tirage du passage à l'action. C'est un tirage à une carte. Réalisez-le exclusivement avec, les 13, avec 13 cartes de l'oracle, les 5 cartes de potions magiques et les 8 cartes dédiées au rituel et au sortilège. Une fois tiré, mettez en pratique le message de message. C'est écrit comme ça, hein message. Voilà. Donc les 44 cartes. Euh, comme la lune, incarnez chaque jour une meilleure version de vous-même. C'est joli ça. Euh, pour vous y aider, je vous partage les 13 précieux principes de la Wicca. Voilà, bon, ça, je vous les lis pas, hein. je vous laisserai les lire. Euh, un peu de surprise quand même. Donc, on a le sommaire avec une introduction aux grands éléments et aux élémentaux une introduction au cycle menstruel ça, c'est les catégories de cartes en fait introduction aux saisons et aux outils sacrés introduction aux fêtes, aux sabbat, aux célébrations. Introduction aux potions magiques, introduction aux rituels, aux sortilèges et aux archétypes féminins. Introduction aux chakras et aux couleurs, donc ça c'est les fameuses cartes des chakras que vous pouvez prendre pour réaliser le tirage des chakras. Et introduction au pouvoir. Donc on a une introduction aux grands éléments et aux élémentaux. Bon, on va vous parler évidemment des, des grands éléments, hein, au feu, terre, air et l'éther. Voilà, les élémentaux, tout ce qui est Sylph, Fée, Salamandre, naya, Dondine, etc. Et puis on passe à la première carte avec ici l'illustration de la carte en couleur. Son nom, évidemment. Euh, ici, on nous dit la sorcière originale est intimement liée au grand élément éther. Et puis on a le texte. Voilà. Euh, le message de message, comme je vous ai dit que c'était écrit comme ça, hein. euh, donc ce qui est pour une petite. Euh, comment est-ce qu'elle disait ça un, Une petite introspection, un petit travail, euh, voilà. Et les êtres du petit peuple vibrent avec le grand élément éther et alors les pierres euh, de la lithothérapie qui sont associées. Voilà. Vous voyez euh, et ici, ah, j'allais dire, il manque une page, mais non, voilà, elle est là. Et ben, du coup, on a ça pour chaque famille, hein, évidemment. Euh, ici, on aura, au lieu de. On, ici, on aura, par exemple, les potions solaires euh, qui vibrent. Mais ben, on a chaque fois la pierre associée. Pour les sabbats, par exemple, on a le sabbat de Beltane. Un petit mot sur le sabbat. Et ici, on aura la sorcière de Beltane, vive avec la sorcière vaporeuse. Et on a toujours la pierre. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu comment c'est construit. On va regarder quand même ce qu'il y a à la fin. Voilà, qui sommes-nous Il y a toujours des, un petit mot en général euh, sur, euh, ben, sur le, la créatrice et l'illustratrice. Donc, on a les remerciements ici. On a une petite phrase. La magie, c'est de croire en vous-même. Si vous pouvez faire cela, vous pouvez faire n'importe quoi. The goat. C'est très joli. Euh, qui sommes-nous Donc, un petit mot sur Anne-Sophie Casper. Voilà, pour découvrir tous ses livres et ses autres jeux. Un petit mot sur l'illustratrice, avec aussi son Instagram et euh, son site internet pour découvrir son travail. Voilà pour le livre qui, vous l'aurez compris, euh, est très complet. On tirera bien sûr une carte à la fin et je vous lirai euh, parce que, du coup euh, le message qu'il y a dans le bouquin. Alors, le dos est comme ceci, avec des petits triangles, des petites étoiles. Je vais prendre une carte du tarot classique pour vous montrer la taille. Ce ne sont pas des cartes hyper grandes, voilà. Euh, elles ont un chouette format, fois. un tout petit peu plus haut qu'un tarot et plus large, voilà. Du coup, ce sont pas les... Je crois que c'est un format qui tient du coup très bien en main pour les mélanger, oui, vous voyez. Les bordures sont argentées, je les ai à l'envers, évidemment. Et on va... Je ne vous ai pas dit... La qualité est très bonne aussi. Alors, on a l'illustration sans bordure et on retrouve son nom ici dans le petit cadre. Donc la sorcière originelle, la sorcière vaporeuse. Et euh, elles sont... Euh, les illustrations sont très jolies. Hein. La sorcière verte, j'adore celle-ci. Regardez, elle a un petit, un petit lutin, on dirait, dans sur sa main. La sorcière aquatique, par contre, elles ne sont pas numérotées. Euh, donc faudra, ce sera peut-être un peu plus compliqué pour les retrouver, on verra dans le livre, vu qu'elles sont classées par famille et pas par ordre alphabétique dans le livre, on verra. Euh, la sorcière incandescente, elle est très belle aussi celle-ci. La sorcière de la nouvelle lune, qui est sur le coffret, sur la boîte. Hein. La sorcière du premier quart de lune. Donc là, on est dans les phases de la lune et du cycle menstruel. Hein, les sorci la sorcière de la pleine lune. La sorcière du troisième quart de lune. La sorcière de la lune noire. Elle est magnifique, celle-ci aussi. La sorcière du printemps. Donc là, on est dans, dans les saisons et les outils magiques, si je ne dis pas de bêtises. La sorcière de l'été, ici, on a la baguette. La sorcière de l'automne, on reconnaît le calice. Et le chaudron, ma foi, pourquoi pas. La sorcière de l'hiver avec le grimoire. La sorcière de Sawin, ici on passe du coup dans les sabats. Elle est magnifique celle-ci avec ben, les citrouilles. Moi j'adore les citrouilles. Hein. Et Sawin est mon sabbat préféré. Elle colle encore un peu. La sorcière de Yule, magnifique, avec la bûche. La sorcière d'Imbolc, avec la croix de Brigitte. Aïe, 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 elles sont un peu, un peu encore accrochées. Ça, c'est toujours euh, à la première utilisation avec les dorures. Hein, ça se fait souvent. La sorcière de Beltane. Je vais y arriver. Youp La sorcière de Lita. Elle est jolie aussi, celle-ci. J'adore les illustrations. Oh, celle-là aussi, elle est belle. L'infusion purifiante de la sorcière. La potion solaire de la sorcière, elle est jolie aussi celle-ci. Les douces huiles de la sorcière. Les plantes magiques de la sorcière. Les plantes sauvages du coup de la sorcière. Elle est belle aussi celle-là. Le rituel de la bonne fortune de la sorcière. Donc là, on passe dans les, la série des rituels. Le bain magique de la sorcière. Le rituel de la révélation de la sorcière. Youp. La prière graphique de la sorcière. Oui, j'allais dire que ça fait penser au carré magique, mais c'est écrit dessus, carré magique. Le sortilège protecteur de la sorcière. Le filtre amoureux de la sorcière. Le rituel d'abondance, du coup la fumigation purificatrice de la sorcière. Et on passe à la catégorie des chakras avec le chakra racine de la sorcière, le chakra sacré et la boule de lumière aux couleurs du chakra vous donne l'indication de son emplacement du coin. Hein. Le chakra solaire, le chakra du cœur, plus la couleur en même temps, elle vous indique la couleur de ce chakra. Le chakra de la gorge. Le chakra. Le, le chakra de l'intuition, je vais y arriver. Le chakra coronal, ou troisième œil. Hein. Le pouvoir onirique de la sorcière. Pouvoir des rêves, du coup. Le pouvoir de la création. Avec toutes les bougies, j'adore. Le pouvoir de divination de la sorcière. On voit les différents éléments. Pouvoir de guidance de la sorcière. Et ici, le pouvoir de guérison avec le petit chat noir. On dirait mon Salem. Elle est très très jolie aussi, celle-ci. Du coup, on va les mélanger et on va en tirer une. Et je vais vous lire le message qui est écrit dans le livre. Mélange très très bien le format est juste bien euh, adapté. C'est que il ya des formats maintenant, je vous le dis à chaque fois, mais les très très grande c'est dur à les tenir en main. Ici, c'est super facile à mélanger, très agréable. Youp, alors elle s'étale très bien aussi. Et on va prendre bah ben, celle-ci, la sorcière de l'Ita. Voilà, avec un sabbat du coup. Alors pour les retrouver. Euh, soit on doit se référer euh, au sommaire, je dirais, ouais. Enfin, à moins que vous savez que. Voilà, ici qu'on est dans les sabbats, mais c'est plus embêtant, c'est moins pratique, on va dire. Euh, parce que si vous ne savez pas dans quelle catégorie euh, ça se trouve, il faudra aller euh, chercher le sommaire, ici, voilà, pour trouver euh, la bonne page. Et. Euh, L'ITA 105. Oui, ça, c'est peut-être juste le petit, le petit bémol. Avec des numéros, on aurait peut-être plus facile à retrouver euh, la bonne page. Mais bon, voilà, c'est pas bien grave. Heureusement, il y a le sommaire. Donc, on va lire le petit message. Donc, la sorcière de l'ITA est intimement liée aux grands éléments. Célébrée le 21 juin, lors du solstice d'été, le sabbat de l'ITA symbolise la célébration, l'amour, l'engagement sentimental et les unions amoureuses. En cette journée la plus longue de l'année, la lumière est à son apogée. Les cœurs sont ouverts, les souhaits sont lancés à l'univers et les âmes sœurs sont célébrées. Il règne une atmosphère gaie, divertissante, joyeuse et féerique, remplie d'espoir et de positivisme. On le voit sur la carte, c'est sous le signe de l'amour hein, ici. On voit ce petit couple, euh, voilà, et les petits cœurs, euh, ça parle directement. Alors, le message de message. La sorcière de l'ITA vous entraîne dans une ronde festive autour du grand feu de joie. Main dans la main, ensemble, vous chantez, dansez et dévoilez librement vos sentiments à l'élu de votre cœur. La sorcière de l'ITA possède une intense énergie faisant rayonner la joie, le bonheur d'aimer et d'être aimée. Elle vous invite à vous questionner sur les promesses que vous faites, sur les engagements que vous prenez, mais également sur ceux que l'on vous a promis. La sorcière de l'Ita vibre avec la sorcière incandescente. Sur la même vibration de la, que la sorcière incandescente, voir la page 31, donc ça c'est une autre carte, régie par le grand élément feu, la sorcière de l'Ita vous propose de réveiller votre détermination et votre courage. Et les pierres euh, associées de la, en lithothérapie, ce sera le grenat, l'œil de tigre doré, la citrine, la fluorite multicolore et le quartz rose. Voilà pour ce petit message. Je voulais juste jeter un petit coup d'œil. Voilà ici par exemple. Euh, oui voilà. Pour les potions et, etc., il euh, y a le, le rituel expliqué en fait. C'est ça que je me disais bien que, comme elle avait proposé. Euh, par exemple, ici, Sortilège Protecteur de la Sorcière. Euh, elle vous explique comment le, comment le faire aussi, je pense. Mais voilà. Voilà, ça c'est chouette aussi, du coup. Euh, c'est un, un chouette oracle, du coup, qui mélange euh, ben, le, la Wicca, etc. Et ça permet aussi d'en savoir un peu plus, euh, ben, un petit peu sur la Wicca aussi. Je trouve ça très chouette. Et ben, j'aime beaucoup les illustrations. J'aime bien l'idée d'avoir des petits sortilèges aussi. Et, et voilà. Euh, en tout cas, le livre est très très bien fait et c'est chouette d'avoir associé les, les cristaux, la lithothérapie aussi. Voilà, mais du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez craqué ou pas pour cet oracle, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Hein. Ou si vous l'avez mis sur votre wishlist, ou si vous ne l'aviez pas vu passer, ce que vous en pensez, s'il vous plaît, ou si vous n'êtes pas trop branché euh, Wicca, magie, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous, et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous